C'est une somme de 58 250 000 francs CFA, première étape, qui sera octroyée à plusieurs agriculteurs et groupements des quatre départements de la province du Moyen Chari afin d'assurer leurs travaux champêtres en cette saison pluvieuse. Ce financement du crédit 2022 a pour slogan l'accroissement des rendements et des productions agricoles. Le chef de canton de Balimba, Tamji Nangasde Ngardoum, a précisé que c'est pour la deuxième fois que son canton a été choisi pour le lancement du crédit agricole. Le chef d'antenne ONAPE de SAR, Issa Sherif Alachid, a remercié les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs de canton qui ont contribué efficacement à sensibiliser les bénéficiaires du crédit agricole 2021 à rembourser à 100%. Le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Hamad Tidjani Hamad, a salué les actions incontestables menées par l'ONAPE en matière de promotion de l'emploi et des stratégies de lutte contre le chômage et l'insécurité alimentaire au Tchad. Il faut noter que Balimba, qui a servi de lancement officiel de l'octroi de ses crédits, a reçu une enveloppe de 12 600 000 francs CFA pour 174 bénéficiaires. 104 millions de nos francs, telle est la somme octroyée par l'ONAPE aux producteurs du Mayokebi S. Moumine Saleh Mamad, chef d'agence de l'ONAPE de Bangor, indique que le bien-être de la population du Tchad préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités du pays, d'où l'octroi de ce crédit afin d'améliorer leurs conditions de travail pour un rendement de qualité. Dingar Gaspar, secrétaire général de la province du Mayokebi Est, salue lui aussi la volonté du gouvernement à lutter contre l'insécurité alimentaire en instaurant le crédit agricole qui sans doute allégera la peine des cultivateurs pour de grands rendements. Le secrétaire général les invite à honorer de leur engagement afin que d'autres y bénéficient. Les bénéficiaires remercient le gouvernement à travers l'ONAPE et promettent rembourser l'échéance au moment opportun.